monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo que je suis tellement excitée de faire et je pense aussi que ça va vous faire très plaisir comme vidéo parce qu'aujourd'hui, je fais le plus gros giveaway que j'ai fait de ma vie. Je pense pas avoir déjà fait un aussi gros giveaway et c'est toutes des compagnies que j'adore, donc restez pour en savoir un peu plus. D'habitude, je fais tout le temps mes giveaways sur mon Instagram, mais là, je me suis dit pourquoi pas gâter ma gang de YouTube? Vous avez tellement été formidables cette année. J'ai trippé. Maintenant, YouTube, grâce à vous, c'est rendu ma job. C'est rendu ça ma job. Et j'ai tellement de plaisir. Merci à tout le monde de me suivre, de regarder mes vidéos. Je vous aime d'amour. Aujourd'hui, la vidéo que je fais, c'est ce que j'achète à mes proches à Noël. Donc, à la base, c'était vraiment une vidéo pour donner des idées de quoi acheter à Noël pour vos proches. Moi, ça a souvent été un struggle. On dirait que je trouvais pas d'idées assez bonnes, assez spéciales pour donner à mes proches. Mais là, je me suis vraiment creusé les méninges. J'ai trouvé plein de produits québécois, surtout d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment important d'encourager local. Donc, pas mal toutes les compagnies sont québécoises. Donc ça, je suis vraiment fière. Très fière. Je les ai contactés pour savoir si ça leur tentait d'embarquer dans la vidéo. Et honnêtement, la plupart des cadeaux que je vais donner, vous allez pouvoir en recevoir aussi. Donc, dans la vidéo, il va y avoir des prix de plusieurs compagnies. Donc, je vous les lis pour ne pas en oublier aucune. Donc, il va y avoir Nitolust, Case Me, le spa finlandais, Selve, Rose Bonbon, New Cares, et les trouvailles de Jen. Donc, il y a comme 7 compagnies qui vont participer. Il va y avoir 7 gagnants, dans le fond. Donc, les règles sont vraiment simples. Seulement, me suivre sur YouTube, me suivre sur Instagram et commenter. Je veux gagner le prix de telle compagnie. Un commentaire est égal à une entrée. Donc, si vous voulez plusieurs prix, le mettre en différents commentaires. Et ben sinon, c'est ça! On va passer à la vidéo. Donc, pour moi, Noël, ça a tout le temps été ma fête préférée. Et je me rappelle le premier Noël que j'ai eu assez d'argent pour acheter des cadeaux à ma famille. Ça a été le plus beau Noël de ma vie que j'avais jamais passé. J'étais vraiment contente de voir la réaction des gens, de pouvoir envelopper mes petites choses, puis que ce soit pas ma mère qui l'aille acheter, puis que ça genre, ça vient de moi! Cette année encore, je suis un peu folle ces cadeaux d'habitude. Et là, je suis encore folle. Honnêtement, je vais juste vous montrer de... C'est les boîtes que je dois emballer. Il y en a beaucoup. Petit disclaimer aussi, si vous faites partie, si vous êtes ma mère, mon père, ma soeur, mon chum, ou mes amis, ne regardez pas cette vidéo-là. Parce que sinon, vous allez savoir vos cadeaux, puis c'est un peu plat. La première personne, on va y aller avec ma soeur. Donc, ma soeur que vous avez vue dans une couple de vidéos que j'ai faites avec elle. Vous l'avez bien aimée. Vous irez aussi, si vous voulez, la revoir bientôt. Donc là, c'est l'heure de la gâter, Laura, qui a 14 ans. Donc, juste pour savoir l'âge, pour que ça aille bien avec, les cadeaux que je vais lui donner. Donc, ma soeur avait besoin d'un case. Elle a reçu un case de la part de mon père. Et honnêtement, je crois pas qu'elle a vraiment aimé. Donc là, je la sauve. J'ai acheté des cases de chez Case Me. Moi, c'est le case que j'ai depuis que j'ai acheté mon nouveau sel. Il est pas brisé, il va super bien. Les modèles sont super beaux. C'est vraiment de la bonne qualité et c'est québécois, donc on aime ça. Et d'ailleurs, Case Me va donner une carte cadeau de 50$ si vous voulez vous acheter un nouveau case ou si vous voulez acheter à quelqu'un un nouveau case. Je vais vous montrer ceux que j'ai pris pour ma soeur. En fait, j'en avais commandé un seul et Case Me m'en a envoyé 3, donc un gros merci à eux. Donc dans le fond, moi, mon stratagème, ça a été de dire à ma soeur « Ah, je veux un nouveau case ». Lequel tu me dirais choisir? Et elle a choisi celui-là, bien sûr. C'était une feinte. C'est pour elle. Il est vraiment très très beau. C'est de la bonne qualité, là. C'est très rigide. Donc ça, j'adore ça. J'ai jamais pété mon sel et Dieu sait combien je l'échappe 2 fois à terre par jour. Sinon, on a celui-là. En fait, celui-là, c'est celui que j'ai, mais je l'ai en vert lime.
Et le dernier, celui-là qui est aussi super beau. Donc, Crime, ma soeur avait un caselet. Là, on en a trois très très beaux. Merci, Case Me. Et si vous voulez vous aussi un case, vous pouvez l'écrire en commentaire. Vous pourriez gagner 50$ chez Case Me. C'est à peu près ça, un case. C'est entre 30 et 50$. Donc, vous pourrez vous acheter un ou deux nouveaux cases pour Noël. Ensuite, je lui ai acheté aussi... je suis allée au garage. Ça, honnêtement, c'est pas une compagnie que j'ai contactée. Je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié. Mais c'est la nouvelle collection Not So Basic. Qui vient juste de sortir. C'est vrai que garage, souvent, c'est le même format de crop top, mettons qu'il y a plein de couleurs, les mêmes jeans en plein de couleurs. Mais la nouvelle collection, je trouve que ça donne vraiment une petite touche différente. Tu sais, là, elle est comme coupée au milieu, ici, ça tâche, les manches longues. Honnêtement, si elle l'aime pas, moi, je vais le porter. Je l'aime vraiment, je le trouve vraiment très, très beau. Je lui ai aussi pris un collier de chez Nyctolust. Donc ça, c'est la compagnie de mon amie Sophia Rose Labbé. Vous devez la connaître sur Instagram. C'est une Insta babe. Elle est tellement, tellement belle. Elle a une nouvelle compagnie qui est sortie cet été, je pense, de bijoux. Et ma soeur adore les cristaux. Et justement, elle a une catégorie justement de colliers de cristaux. Donc, j'ai pris celui-là. Sophia a bien voulu entrer dans le giveaway. Alors, si ça t'intéresse, tu peux aussi commenter pour avoir 60$ chez Nyctolust pour t'acheter plein de bijoux. Elle a aussi une catégorie pour les signes astrologiques. Elle a aussi des chaînes. Elle a plein de beaux bijoux et ils sont vraiment très beaux. Ils sont faits à la main. Moi, j'en ai à peu près 3-4 de sa compagnie et je les porte chaque jour. Je les adore. Donc, c'est aussi un beau prix à gagner. Pour ma soeur, j'ai terminé ça avec un peu de bonbons. Et avec aussi une bombe de bain louche. Je le mets dans des boîtes comme ça. Je vais tout mettre ça en intérieur. Et c'est ça, je trouve que ça fait le fun de faire comme des boîtes avec plein de petits cadeaux, plein de petites attentions que la personne aime. Moi, c'est ça que je fais à chaque année et j'adore trop ça. On va passer à la prochaine personne. On va y aller avec mon père. Je trouve tellement que c'est dur de trouver des cadeaux pour les pères en année de faire le tour des outils. J'ai tout le temps de la misère à trouver un cadeau pour mon père, puis nos parents sont tout le temps comme « Ah oh, ben non, je veux rien. » Tu le sais que je vais pas rien t'acheter, fait que donne-moi une idée parce que ça va pas du tout. Mais cette année, je lui ai trouvé des billets pour un spectacle d'humour de Martin Petit. Donc c'est vraiment un humoriste qu'il aime, que j'aime aussi. J'ai acheté une paire. J'espère qu'il va me choisir pour y aller avec lui. Sinon, je dois avouer que je vais être un petit peu triste. Je crois que j'allais écrire dans sa carte de Noël. Je vais être comme « By the way, je suis disponible cette journée-là. » Si jamais tu cherches quelqu'un. Et je lui ai acheté aussi une boîte de chocolat pour bien remplir le tout. C'est sûr que dit de même, ça n'a pas l'air beaucoup, mais tu sais, des billets de spectacle, ça coûte quand même cher. Donc je pense que c'est assez complet comme cadeau, même si on l'a passé assez rapidement. Sinon, on va y aller pour mon chum. Mon chum, je lui ai acheté aussi des billets de spectacle pour aller voir Louis-Jean Cormier. Il aime bien Louis-Jean Cormier, il aime bien les artistes québécois. Donc, je lui ai acheté ça. Ça, je peux pas vraiment vous le montrer. Sinon, nous, on part en voyage, mon chum et moi, encore. Deux fois en trois mois. On part au Roatan, donc en Honduras. C'est vraiment dans le sud, c'est une place où on fait beaucoup de plongée sous-marine, où on fait beaucoup de snorkeling. Donc, je lui ai acheté des maillots de bain. Les gars, ils manquent tout le temps de maillots de bain. On dirait qu'ils en achètent un, puis pendant 4 ans, c'est ceux-là qu'ils ont. Non. 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 Là, on s'en va dans le sud, on va être cute. Donc, je lui ai commandé du New Kears. Que ça, c'est une compagnie de maillot de bain qui est fait à partir de bouteilles d'eau recyclées. Donc c'est vraiment formidable, c'est vraiment éco-responsable. Et ils ont aussi une collection pour hommes. Moi j'ai plusieurs bikinis de cette compagnie-là pour femmes. J'avais pas encore vu les modèles pour hommes et je l'ai pas encore vu, je le déballe avec vous. Donc on va voir ça. Ouh! Ok, donc on a ici un noir. Oh, il y a même des petites poches à zipper. Ça, c'est pratique. Parce que moi, là, quand je suis à la plage, là, il n'y a pas de poche dans mon bikini. Je vais pouvoir tout swinguer à mon chum. On adore. Et il y en a un aussi qui est rouge. Comme ça, juste ici. Ils sont vraiment très beaux. La qualité, à chaque fois, je suis mind blown. Genre, comment ça peut être
des bouteilles recyclées, genre je la catch pas. C'est vrai, très bonne qualité. Puis je suis pas surprise parce que les miens aussi que j'ai, je les adore. C'est la compagnie de Rose Hope qui est sur Instagram aussi, peut-être vous la connaissez. Et elle aussi a voulu participer au giveaway. Elle offre 100$ de maillot de bain dans sa compagnie. Donc allez jeter un coup d'œil. Et si vous voulez gagner le prix, vous pouvez l'écrire aussi en commentaire. Ah, et pour terminer, pour le cadeau de mon chum, je vais aussi rajouter, je suis allée faire développer ma caméra jetable, nos photos de Paris. Donc je vais rajouter des petites photos. Je vais rajouter aussi ses bonbons préférés dans le cadeau. Et j'ai aussi acheté une pastille de la compagnie Self. Je vais vous en parler plus parce que le cadeau de ma mère s'en vient. Mais c'est une pastille comme ça pour la douche. Ça sent déjà ultra bon. C'est une pastille comme ça que tu mets dans ta douche et ça te fait comme un peu un sauna, tu sais, dans ta douche. Ça sent vraiment l'eucalyptus partout. Je pense que ça ferait du bien, mettons, pour le stress, pour les maux de tête et tout. Je sais que mon chum a souvent des migraines. Donc, je trouve que c'est le fun, ça. Puis c'était pas cher, c'était comme 8$, je pense. Mais ça vaut tellement la peine, mettons, que t'as pas de bain chez toi ou mettons que... Justement, tu veux juste prendre une douche puis relaxer. J'avais jamais vu ça, des produits, tu sais, qui embaumaient toute ta douche pour comme faire un effet de spa un peu. Et même si c'est pas la première chose qu'on pense pour les gars, du self-care de visage, je trouve que c'est important aussi pour les gars d'avoir une routine du matin, du soir, whatever. Par contre, mon chum utilise pas mal mes produits. Donc, je lui ai pris un sérum de la boutique Oh My. Donc, ça, c'est... tu mets ça avant tes produits de beauté, peu importe lequel tu mets, une crème, une huile, whatever. Et ça va vraiment aider à absorber le tout. Ça va vraiment comme amplifier les bienfaits du soin que tu mets. Donc, j'en ai pris un pour lui parce qu'il n'arrête pas de prendre le mien. Donc, là on passe à la masterpiece qui est le cadeau de ma mère. Ma mère là, c'est une très bonne mère, je l'adore. Et l'affaire aussi, c'est que c'est trop facile pour moi d'y trouver des cadeaux qu'elle aime parce qu'on est vraiment pareil. Fait que moi, à chaque fois que je vois de quoi que j'aime, je suis comme oh, pour ma mère, pour ma mère. Et on dirait que j'avais pas réalisé que j'avais acheté autant pour ma mère. À part quand j'ai tout monté pour faire la vidéo, j'ai fait comme ah. Oh. Et ben. Donc elle va avoir un gros crisse de cadeau, je vous le dis tout de suite. Donc dans le fond, pour ma mère, première affaire, je me suis aussi associée avec la compagnie Self Rituel. C'est Karine Saint-Michel qui m'a fait découvrir ça. Et honnêtement, ces produits-là, là, je suis tombée en amour la seconde que je les ai utilisés. C'est vraiment mon go-to pour les produits pour le bain, pour la douche, pour name it, okay, les huiles. Ils ont littéralement tout dans leur boutique et je capote, genre je pourrais... Genre, take my money, là. Et justement, eux aussi participent au giveaway. Donc, ils vont donner une boîte remplie de produits. Et Karine, gentille comme elle est, et Self aussi, m'envoyer également une boîte comme ça, en cadeau. Donc, je vais l'ouvrir avec vous pour que vous voyez un peu ce que vous pourriez gagner. Donc, la boîte ressemble à ça. Déjà, il y a des petits papiers comme ça pour identifier les cadeaux. On aime bien. Ça commence avec la revue Elle Québec. Mais c'est pas une petite lecture, voir qu'ils mettent ça de même, sinon, mais cool. Première affaire qu'on a, on a des graines de café enrobées de chocolat noir, donc petit snack. Donc, on a ici un petit... Donc, ici, on a une bougie de soya, mochaccino et noisette. On va la sentir. Oh my god, ça sent... Comme quand tu commandes un Starbucks puis tu l'ouvres, genre ça sent tellement bon. Il y a tellement de choses dans cette boîte là, j'en reviens pas là. C'est un très beau prix si vous le gagnez. On a ici le rituel casse-noisette, donc c'est un lait de douche. Ça sent quoi? Je sais que ça sent, mais je sais pas en même temps. Vraiment cool parce que ça hydrate tellement bien la peau là, c'est genre... Un autre! C'est tellement drôle comment ça se déroule. Donc ici, on a un masque pour les cheveux au cacao. Au cacao. Ma mère, elle a des cheveux courts. Je pense que je pourrais le garder peut-être. Hein? Please. Elle va pas le savoir que je l'ai gardé. Ni vu ni connu. Oh! Le rituel chalet. Donc ça, je pense que c'est... Oh! Il y a plein de brillants ici qui sont collés, j'imagine. Il faut que tu le brosses un peu. Je pense que c'est pour le bain. Je pense que c'est de l'huile que tu mets dans ton bain et que ça sent bon.
Oh my god, ça sent tellement bon, ça sent la vanille, mais comme la vanille douce, la bonne vanille enveloppante, réconfortante. On a aussi une huile contour des yeux au café. Ça, c'est une boîte que tu peux demander mensuellement, donc tu peux t'abonner et recevoir ça à chaque mois. Et au début, j'étais comme, eh hey, ben non, mais tu sais, ça a pas d'allure là, tu sais, de recevoir ça à chaque mois. Non, je pense que je vais m'abonner honnêtement. C'est sûr, je vais en avoir trop, mais comme ça, imagine, tu reçois ça à chaque mois là, Christmas every month. Non, je pense que je vais m'abonner. Ensuite, on a ici du Karine Jonca Sérum Bio Boost HD. Je suis pas sûre de ce que ça fait, mais ma mère doit connaître ça. Ma mère est bien forte dans les cosmétiques, là. Elle connaît tout sur tout, donc je vais lui donner, elle va être bien contente, je suis sûre. Et pour finir, on a un petit bas ici avec un tonique pour le visage, je pense. Tout ça dans la boîte qu'il m'a envoyé. Et je ne savais même pas commander. Ok, alors le cadeau de ma mère, ça va être encore plus. Donc je vous montre ça. Mais n'oubliez pas, si vous voulez gagner cette boîte-là, cette exacte même boîte-là, vous pouvez le commander. Donc ici, on a le rituel de minuit. J'ai oublié de vous le dire, mais ça allait aussi dans la boîte. Donc ici, il y a une huile, il y a des huiles essentielles, du sel pour le bain, une bougie. Il y a tellement de trucs dans la boîte. Non, ok, c'est sûr que je m'abonne. C'est sûr que je m'abonne. Il y a aussi le bain moussant ici. Ça, c'est le fun que ça soit en pompe. Il me semble qu'à chaque fois que moi je mets du bain moussant, ça me coule partout. Et c'est l'odeur Blums. Mais j'ai reçu une huile de cette odeur-là. Là, et je les ai toutes demandées à Noël. Tout ce qu'il y a sur le site à cette odeur-là, je les ai demandées. Ça l'a. Aucun sens comment ça sent bon. Ça sent littéralement le bouquet de fleurs, genre. Et ça me fait très mal au cœur de le donner à ma mère parce que je le prendrais volontiers. Ensuite, ça c'est moi qui l'ai commandé pour ma mère. C'est une huile pour le visage avec un gua sha. Donc je sais pas si vous savez c'est quoi. Ça a été quand même un trend sur TikTok, le gua sha. Donc ça ressemble à ça. Moi honnêtement, je l'utilise à chaque jour. Dans le fond, ce que ça fait, c'est. Je sais pas rien après le papier. Ce que ça fait, c'est que c'est une sorte de massage que tu vas faire dans ton visage et tout le liquide lymphatique qu'il y a dans ton visage qui fait gonfler, qui fait rendre la face un peu plus puffy, va aller dans les canaux et ça va comme drainer le liquide lymphatique. Donc moi, depuis que je l'ai fait, je trouve vraiment que ma face, c'est comme raffinée. J'ai plus de, mettons, on voit ici, tu sais, j'ai plus une ligne ici. Les pommettes, ils deviennent plus définis, la jawline. Tu sais, mettons, un matin, là, tu le fais, là, tu vois la différence tout de suite, là, une fois, là, que ton visage a vraiment comme, s'amincir sans nécessairement devoir perdre du poids. Donc ça, honnêtement, je trouve ça super bien et c'est bon aussi pour les rides. Et de mettre de l'huile dans ton visage aussi le soir, c'est super bon. Ça vient vraiment réguler le niveau de sébum que tu as dans ton visage. Ça vient hydrater. C'est vraiment super. Je lui ai également acheté la pastille d'eucalyptus. Je me dis, tu sais, quand t'as pas le temps de prendre un bain. Même raison que mon chum, dans le fond. Et je pense que c'est pas mal tout pour pour sel. C'est pas mal tout, s'il y en avait, il y en avait. Ça, si vous voulez le gagner, vous pouvez commenter. Je vais vraiment choisir au hasard les gens. Pour ma mère aussi, je lui ai acheté un lash lift. Donc, moi, je fais toujours mon lash lift avec la même personne qui est mon amie Léa. C'était pas mon amie à la base. À la base, elle était juste censée faire mes cils. Et maintenant, on se parle littéralement chaque jour. Je l'adore d'amour. Elle est tellement gentille. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant un grand cœur. Je vais vous mettre ses réseaux sociaux. Sérieux, si vous avez besoin d'un lash lift, elle est la personne. Et en plus, c'est un lash lift vegan. Et moi, pour de vrai, il a duré à peu près un mois, deux mois. Donc, je sais pas si ça va être comme ça pour tout le monde. Mais honnêtement, j'ai que retiré du positif lorsque je me fais faire mes cils avec elle. Elle travaille chez Rose Bonbon et Rose Bonbon a aussi voulu collaborer avec moi pour la vidéo. Et il vous offre un gros Chris à cadeau. Vous allez être très content si vous le gagnez. Donc, ils font tirer un lash lift, une pose d'ongle, une pose volume. Donc ça, je pense que c'est les faux cils, si je me trompe pas. Et un soin visage. Si vous avez besoin de cocooning, de vous faire poupouner, vous pouvez
commenter et vous aurez une chance de gagner ça. C'est vraiment un bel endroit pour les soins esthétiques, là, pour de vrai. Puis elle m'a parlé un peu de l'équipe avec qui elle travaille et tout. Ils ont l'air tellement toutes gentilles. Ça a l'air d'avoir une super belle chimie. Et c'est des beaux locaux. Donc, c'est proche de Montréal aussi, si je me trompe pas. C'est à peu près Terrebonne-Mascouche. Donc, si vous êtes près de cette région-là, vous pouvez commenter. C'est sûr, si vous êtes à Québec, c'est peut-être moins pertinent d'avoir ce prix-là. Mais si vous êtes proche de Montréal, vous pouvez commenter. Et finalement, pour ma mère, je vais lui offrir aussi un forfait du spa finlandais. Et le spa finlandais, c'est le spa que je vais toujours, j'en ai essayé plusieurs dans ma vie. Et c'est vraiment celui que j'apprécie le plus. Il y a des beaux aménagements intérieurs et extérieurs. Il y a plusieurs spas qui ont un ou l'autre. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Comme ça, tu peux y aller en été ou en hiver. Il y a une grande diversité de soins, de bains. C'est vraiment très charmant. C'est vraiment très accueillant. Ils ont aussi un hôtel à côté. Honnêtement, moi, 10 sur 10, c'est ma place. C'est la place à ma mère aussi. Donc, je vais lui offrir un forfait pour y aller. Ça fait toujours du bien de se gâter. Et ils ont bien voulu participer à la vidéo aussi. Donc, ils vous offrent à vous aussi un forfait pour les bains. Donc, pour aller passer la journée dans les bains. Il y a plein de salles aussi. Il y a des saunas. Il y a des saunas avec de l'amérothérapie. Il y a des salles juste de relaxation avec des lumières, des chambres noires. Honnêtement, c'est super. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup le gagner. Donc, si ça vous intéresse, commentez. Et finalement, je vais voir deux de mes bonnes amies juste avant Noël. Donc, je voulais leur apporter un petit quelque chose pour souligner le temps des fêtes. Donc, j'ai acheté deux colliers que moi, j'en ai un comme ça. Je trouve super beau. C'est un petit collier avec un ange. Donc, les trois, on va avoir le même. Ça vient des trouvailles de Jen. Ça, j'ai découvert cette compagnie-là l'année passée. Et depuis ce temps-là, pas mal toutes les bijoux que je porte viennent de là. C'est une compagnie québécoise. La fille derrière cette compagnie-là est tellement sweet, de la bonne qualité. Tu sais, ils ne deviennent pas tout vert, noir en dessous de l'eau. Et moi, j'adore, là, pour vrai, c'est mon go-to. Les trois de Jen a bien voulu participer avec moi au giveaway. Donc, elle va offrir 100$. Elle va offrir 100$ de bijoux de sa compagnie. Donc, si vous voulez encore gagner ça, commentez-le. Elle a des bijoux, mais elle a aussi plein d'accessoires, des belles pinces, des tote bags, des lunettes, des casquettes, qui sont vraiment très, très, très esthétiques. C'est un très beau prix à gagner. Donc, c'est pas mal ça que j'achète à mes proches. C'est sûr, je vais ajouter des petites choses par-ci par-là, des petites pensées, des petites cartes. Mais grosso modo, c'est pas mal ça que je vais offrir. Je suis vraiment très contente des idées que j'ai eues. Si vous avez d'autres idées de cadeaux, vous pouvez aider les autres qui écoutent la vidéo et les commenter en commentaire. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!